Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto en créatif ou en survie. Comment faire un bateau volant comme celui-ci qui est... Ben, je vous montrerai, il est là. Il est là, regardez. Petit bateau volant, super stylé. Donc voilà, on va vous le montrer avant que la vidéo commence. Je le demande jamais en début de vidéo, mais 96% d'entre vous ne sont pas abonnés. Ce n'est pas une blague, 96,2. C'est pas une blague, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Pour une fois que je le demande au début, voilà, abonnez-vous s'il vous plaît. Et voilà, on peut commencer la vidéo. On va tout de suite commencer par mettre des wood foundations comme ça. Bang, bang, on va en mettre 3 parce qu'on adore le wood. On va ensuite mettre une petite fondation dynamique ici qu'elle ne tombe pas. Et on va en coller une comme ça. Vous allez ensuite aller dans Buildport, Support et... Celle-là. Non, c'est celle-là. Voilà. Et vous allez aller en dessous et faire ça, regardez. Je me décale un peu. Toc. Attendez, je me décale. Toc. Après, on se décale. Mettez-le dans le bon sens, comme ça, c'est un peu joli à la fin. Toc. Et... Regardez, il faut qu'on voit encore la barre grise, là, vous voyez, comme ça. On peut ensuite casser le truc du bas, mais on va d'abord faire le truc du haut. On va mettre dans floor et le mec, truc tout en haut. Donc, celui-là, il est, en fait, lui, c'est 12. Faut prendre le 16, 16, 1. Donc, comme ça et comme ceci. On peut casser la première barre en bois tout en haut. Comme ça va la décoller. Mais avant ça, on va avant aller dans... Et celle-là 882. Et qu'est-ce que serait un bon pirate sans de bons escaliers en bois comme ceci? Vous faites ça, vous faites un petit escalier, donc comme ça, vous voyez, pour rentrer dans le bateau. Ensuite, on casse, non, pas celui-là, pas celui-là, celui-là, et toc, et comme ça, après, on peut le pousser, on peut le pousser de la wood foundation. Regardez, hop là. Comme ça on s'en fout, et ça sera la place de notre petit bateau. On va ensuite aller dans Fence, donc dans Muraille comme ça, vous en posez une comme ceci. Voilà, non, pas du tout. Faut qu'elle soit collée, hein. Comme ceci, bien au milieu. Et tout pirate qui se respecte, supporte, prendre lui le 8. Tout pirate qui se respecte a des petites lumières sur son bateau. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller dans fourniture, lightning, donc lumière, là, toc. Je remettrai mon jeu en français pour la prochaine fois, si vous voulez. Ça peut vous déranger, donc je le remettrai en français. Toc, petite lumière. Tout pirate qui se respecte a les lumières sur son bateau. C'est la vérité. Vous allez aller encore dans fence et celui-là. Non, celui-là. Toc. Toc, comme ça. Et comme ceci. Donc faut qu'il y ait un décart ici. C'est important. Vous allez prendre Rustic Rail et le mettre comme ceci. Je peux vous dire que celui-là, il m'a saoulé. Vous allez ensuite prendre une fondation en bois et la coller. Vous allez en mettre 3. Comme ceci. 2, 3. Et vous allez casser la première. Ça peut être très chiant pour vous. La première fois, ça m'a saoulé. J'ai cassé ça, ça m'a mis n'importe quoi. Et comme ceci, comme ceci. Celui du bas. Et c'est normal que ça bouge pas pour l'instant. Vous allez ensuite mettre un petit activator. Un petit activator. Comme ceci. Vous allez ensuite mettre un propulseur. Ici. Et un propulseur ici. Vous allez ensuite casser celui du bas. Non. Exactement. Comme ceci. Non. 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 Je déteste quand ça fait ça. Je déteste. C'est une chose ignoble. Je n'arrive pas à casser. Je vise un truc, ça vise mal. Donc, non. Exactement. Là. Voilà.
Vous touchez plus à rien quand vous avez celui-là qui devient rouge. Donc vous allez aller dans sol et celui-là. Et vous commencez à là. Ici, regardez, toc. Parce qu'en fait, sinon, ça va casser l'un des deux propulseurs. Donc voyez. Donc ça commence comme ça sur cette ligne-là. On va ensuite custom un peu le bateau. On peut ensuite mettre un activator. On va d'abord faire la déco, c'est quoi? Tout pirate a besoin d'une bonne déco. Toc. 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 On est des bons pirates, on n'est pas des bons pirates, nous. Hein? Vous voyez, là, c'est là où on va aller à gauche et à droite. Donc là, c'est pour aller à droite, là, c'est pour aller à gauche. Et on va ensuite faire ça, petite déco. Toc. Toc. J'aime pas en vrai ces décos-là. Mais voilà. On va ensuite mettre des petites lumières. Hein. Des petites lumières. Toc. Toc. On en met là. Là. Allez. On va bouger avec les flèches directionnelles. Toc. Et on en met là. On en met là. On adore les lumières. On adore les lumières. Il pleut bien évidemment comme les pirates. C'est dingue, je suis un fan de pirates en fait, c'est terrible. On va ensuite aller dans les petits ballons. Toc et toc. Et que ce soit un peu droit. On va ensuite poser un grand ballon. Il faut que ça soit centré. Donc, là c'est centré, mais vous allez comprendre pourquoi c'est pas centré. C'est fait exprès, hein, vous inquiétez pas. Ça le sera plus tard. Toc, on met des petites fences, petites déco. Petite déco, hein. On se fait pas chier sur la déco. Bon, ça, c'est un peu moche, en vrai, on enlève. C'est un peu moche, c'est un peu moche. Soyons honnêtes. Eh, on récupère le bois un peu là. Vous mettez les thrusters, les petits propulseurs pour que votre bateau avance. Et là, on va pouvoir mettre l'activator. Vous le mettez là, au milieu, comme vous voulez. Vous le mettez où vous voulez celui-là. Ces deux-là, vous les bougez pas, mais celui-là, vous le mettez où vous voulez. Et donc, on va mettre le dernier ballon. Allez! Allez! On va casser celui-là. S'il faut, on va en mettre un là, hein, le ballon. Hein. Voilà. Vous avez un bateau fonctionnel, regardez. On tourne à gauche. On tourne à droite. Et on avance. J'ai dit. Et on avance. Qu'est-ce qu'il nous faut pour un bateau encore meilleur? C'est simple, l'atterrissage. Vous allez mettre un gros pilier comme ceci et un gros pilier. Et voilà, c'est tout. Allez. Si y a pas. Si vous avez mis trop de choses sur votre bateau, c'est peut-être que vous mettez un peu plus de ballons et du coup pour atterrir, un peu plus de trucs comme ça. Donc on va encore en mettre. Regardez, toc. Mais il va atterrir. Parfois il atterrit pas tout en bas. Il se peut, du coup vous mettez des petits escaliers pour remonter. Du coup, quand vous voulez repartir, vous cassez ces deux blocs-là et c'est reparti comme sur des roulettes. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ce petit tuto bateau volant. Et moi, je vous dis à plus pour de prochains tutos. À plus!